match là, première chose, vous allez m'oublier le match de la semaine dernière, d'accord, très très vite. Ce match facile, vous avez 400 en face, d'accord, vous oubliez de suite. Ce match là, il a enlevé. Si ça a été facile, c'est parce qu'on a bien joué nous aussi, d'accord, parce que vous avez écouté les consignes, vous avez fait ce que je vous ai demandé. Un joueur de touche de balle, prendre le temps de faire un contrôle, chercher automatiquement un partenaire. Pas dégager les balles n'importe où. D'accord? Donc, on oublie ce match-là, parce que ce ne sera pas la même équipe. D'accord? La semaine dernière, ils ont gagné. Donc, ils sont comme nous. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut de suite repartir comme on était parti la semaine dernière. On est bien rentré dans le match dès le début. D'accord? Donc, cette semaine, je veux exactement la même chose. On va bien s'échauffer avec notre petite conservation de balles en fin d'échauffement qui vous a bien réveillé la semaine dernière. D'accord? Mais je veux la même chose. Les joueurs qui vont sur les ballons, les joueurs qui demandent la balle, les joueurs qui jouent simple. Simple. Seul reproche qu'il avait à faire à Ange la semaine dernière. Parce qu'il n'a pas assez joué simple. D'accord? C'est pas une punition s'il n'est pas là, c'est parce que lui était absent. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. D'accord? Et Chris qui est reparti avec celle. Et Antoine qui intègre le groupe avec nous, plus Job aujourd'hui. D'accord? Donc c'est bien d'avoir gagné la semaine dernière, c'est très très bien. Cette semaine, il faut la même chose. Mais il ne faut pas se dire, la semaine dernière on a gagné 8 à 0, cette semaine ça va être la même chose, ça va venir tout seul. Non, la semaine dernière vous êtes allé les chercher, vous les 8 buts. On ne les a pas fait cadeau, ils ont pas enlevé le gardien dans les buts. On est allé les mettre. C'est bon. Allez, on écarte. Ah, ça va. Autre côté. Allez les gars! Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien joué, petit! Tac. Allez, recule! Allez, recule! Voilà! Eh, hey, pourquoi pas? Bien joué, Tom. En place, Enzo. De côté. Bien joué. Ça va arriver. Oh, mais si. Gardien. Sur la balle, je suis lancé. Donc, j'ai même pas besoin de frapper. Je vais juste le faire en opposition.
D'accord ? Après, appliquez vos contrôles. Appliquez vos contrôles, il y en a encore beaucoup qui en manquent. D'accord ? Ouais. Toi, Mathéo, il m'en a manqué aussi. Donc, appliquez vos contrôles. Sinon, sur la CBN, il manque un truc, c'est de mettre au fond. Voilà, c'est de mettre au fond. Attention, à pas trop monter. Max, avec Nolan, on va rester sur les corners derrière. Si la balle sort, il y en a un qui sort, d'accord, qui va sur celui-là qui a la balle. Et l'autre... Allez. Allez, allez, Alexis. C'est bien, allez, va provoquer. Reste là. Franck, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ce matin, deuxième journée de championnat? Ouais, deuxième journée de championnat. Donc, on est allé à Guy avec les deux équipes. L'équipe 2 a gagné 5-1. On a fait un super match. Bravo. Voilà. Avec Sébastien, son entraîneur. Et l'équipe 1, donc avec moi, on a gagné 2-1 sur un match un peu plus compliqué, mais où on a été assez maladroit devant le but. D'accord, qu'est-ce que tu peux dire? Donc toi tu t'es occupé de l'équipe 1, je crois que Guy avait perdu 7 ou 8 la dernière fois contre Jouy. Oui. 2-1, c'est assez serré? C'est assez serré, maintenant on frappe 4 fois sur la barre, 2 fois sur les poteaux, et la maladresse dont on a fait preuve devant le but qui nous fait défaut, donc du coup ils reviennent à 1 partout, et ils ont eu beaucoup de motivation derrière, parce qu'on est arrivé à leur mettre le deuxième but. D'accord, t'es parti avec combien de joueurs ce matin? 10. C'est ce que tu as fait tourner un petit peu l'effectif. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sortis du lot ou... Il y a des joueurs qui sortent du lot. Après, l'équipe en Allemagne a procuré un très bon jeu. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que je bosse avec eux, donc je travaille pour ça. On a super bien joué avant. Après, voilà, il manque la finition. C'est juste ça, notre péché mignon en ce moment, donc on va travailler ça les semaines à venir. D'accord. Est-ce que tu as des premières années dans ton équipe? Oui. Qui sont venues? Oui. Il y en a combien? 3 premières années. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'adapte, après il a un petit peu de mal physiquement encore, mais il s'adapte, il joue, voilà, il s'adapte au reste de l'équipe, donc ça rentre petit à petit dans le moule. D'accord. Deuxième match, deuxième victoire, pour les deux équipes en plus. Je pense que tu es content quand même pour la catégorie. Je suis content pour la catégorie, maintenant on va pas s'enflammer, parce qu'en respectant nos adversaires, c'était pas forcément des grosses équipes.
Donc on va attendre de jouer contre des adversaires un peu plus coriaces pour voir ce que ça donne. Ouais, j'ai souvenir que l'année dernière, on avait beaucoup qui baissaient les bras très vite. Hein. Est-ce que tu as senti une différence? Oui. Ouais, dans la motivation des joueurs. Ils commencent à comprendre réellement ce que je veux, de ne pas lâcher du début jusqu'à la fin. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison, et puis surtout pour eux, parce qu'il y a quand même une deuxième année, et on sait que le passage de U10 à U13 est assez compliqué. D'accord, donc satisfait, c'est parfait. Ouais. En tout cas, nous on s'est régalé. Hein, les gens ont pu voir le montage qui a été fait, les poteaux, les buts. Et ben écoute, Franck, on te dit à très bientôt. À très bientôt, merci. C'est moi, à bientôt.